Bien voilà, nous allons faire un petit test du portier Linkom GSM. Alors voilà, tout d'abord on l'allume. Voilà les petites lumières qui montrent l'état, la sonnerie. Ici normalement on peut mettre on peut écrire son nom. Mettre ses informations. Alors, il va faire un peu de bruit et puis après il va dire bienvenue pour montrer qu'il est prêt. Bienvenue. Alors, c'est un portier qui parle en français. Alors, on va faire un petit test de communication. J'ai derrière son antenne GSM. Il est alimenté par une alimentation 12 volts d'IPX. Et j'ai mis à côté le téléphone qui va appeler. Voilà. Donc, on sort le portail. Appel en cours. Alors, premier test, on va décrocher. Voilà. Donc, ça change de lumière pour montrer que quelqu'un a décroché. Et on va attendre un peu la scène. Donc, j'arrête tout de suite. Voilà donc le premier cas. On va refaire un deuxième cas où on ne va pas répondre. Appel en cours. Donc, voilà. Donc là, je réponds pas. Donc c'est bien quand même qu'il y ait la sonnerie parce que la personne qui attend devant le portail s'aperçoit que le portier est en train de David décrocher. Grossas Voilà. n'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message après le bip. Donc À là. la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Voilà. Donc on peut laisser un message. Et après, on peut appuyer. Bon, il y a aussi un troisième cas. C'est le cas où on raccroche. Et là, en fait, le portier dit en français que la personne n'est pas joignable. Voilà le petit test donc du portier Linkom qui, j'espère, vous aura plu.